Donc, comme vous voyez, mon four à écran tactile ne marche plus. Donc là, je vais vous révéler une astuce. Comment faire? Je ne vais pas appeler un réparateur. Ça va me coûter combien? Ça va me revenir cher, bien évidemment. Ou alors, je pourrais acheter un four, mais ça va me revenir cher aussi. Donc là, je vais essayer de le réparer moi-même. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple, c'est très rapide et pas compliqué. Bon, avant de vous révéler ma fameuse astuce dans laquelle je vous montre comment faire pour réparer l'écran tactile de votre four sautère, on va voir déjà le modèle exact que c'est. Donc le modèle exact, là, quand je suis sur le site de Amazon, parce qu'actuellement il n'est plus disponible, moi je l'avais acheté sur Cdiscount à un prix imbattable. Donc là sur Amazon il était à 800 et quelques euros, moi j'avais payé la moitié du prix. Donc le modèle exact en fait c'est sautère, comme vous voyez c'est le modèle SFP 970X, c'est exactement ça. Donc vérifiez avant que ce soit bien le modèle de votre four, parce que je ne voudrais pas donner des informations si ce n'est pas exactement le même four. Je ne sais pas s'il existe d'autres modèles tactiles, moi j'en ai pas vu, mais pour moi il n'y a que Sauter qui fait ça. Voilà. Bon, maintenant on va voir l'histoire de la panne. Donc je vous disais. Là, c'est le problème, c'est l'écran qui ne marche plus. Donc, je vais voir d'où ça vient. Je voudrais savoir d'où vient la panne. Donc, c'est très simple. Donc là, moi, je vais le tirer. Hop. Et là, on va accéder au panneau électrique, au boîtier électrique. Voilà, donc j'ai juste tiré le dessus là. Et là, on accède à la carte électronique, tous les composants. Donc en fait, ben, l'astuce, elle est très simple. Votre écran ne marche plus. Il faut regarder la carte électronique, regarder comment elle est. Et là, ben, en fait, la panne, c'est juste un truc tout bête. C'est la carte que, à force d'appuyer sur le bouton pour allumer votre tour, elle a bougé. Voilà. Donc là, il faut simplement la réenclencher pour qu'elle se remette en place. Et là, on va tester. Hop, le four marche. Génial, j'ai réparé la panne. Voilà. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez le fixer. Pour plus qu'il bouge. Moi, une fois, j'avais mis un cure-dent pour le bloquer. Mais sinon, vous pouvez essayer de le coller, mais en faisant attention de ne pas endommager toute l'électronique. Voilà. Donc ça, c'est une des pannes qu'il peut y avoir. Pour mon cas, c'était ça. Après, il peut y avoir d'autres pannes qu'on verra certainement dans d'autres vidéos que je ferai avec grand plaisir pour aider toute ma communauté et bien d'autres personnes. Je vous dis à bientôt.